Revenons à nous. Vinyasa Yoga, donc. Aujourd'hui, pour vous présenter un petit peu, je vais commencer avec une salutation au soleil. Donc, bienvenue à tout le monde, même si vous êtes débutant ou intermédiaire, vous pouvez vous adapter pour rentrer dans la posture comme vous voulez. Même si vous faites un quart d'heure, si vous êtes débutant, il n'y a pas de problème. Vous aurez l'avantage de le faire en replay ensuite sur l'application des cercles de la forme. Donc, une petite salutation au soleil en trois temps. Ensuite, on fera une petite pause. J'aime bien casser un petit peu la chaîne aujourd'hui. Et on fera un flow, on va dire, avec les bases. Les bases qu'on retrouve souvent dans les cours, dans les lieux de remise en forme, dans les salles de fitness. Bon cours à tous. Allez, moi, je vais me mettre légèrement profil. Comme ça, tu pourras bien me voir. Mais toi, tu te places comme tu veux. Si tu n'as pas de tapis de fitness, il n'y a pas de problème. Si tu as un petit tapis ou si ça glisse, tu peux mettre juste de profil. Comme ça, tu pourras bien t'accrocher au sol. Allez, ici, je vous invite à vous mettre les jambes parallèles. Il y a une légère rotation interne. Donc, je peux vérifier que mes pieds sont bien parallèles au bord du tapis. Je vais décoller les orteils, je vais les reposer. Je vais plier un petit peu les jambes, basculer un peu le bassin légèrement, hein, et tendre les jambes à nouveau, de façon à sentir un peu les fesses qui s'engagent. De là, je vais tendre les bras sur les côtés et je ramène les mains à la poitrine. On enchaîne direct. Je descends, comme si je faisais une flexion. Je remonte, tac, je reste semi-plié, bassin vers le bas. Et là, je vais relâcher tout le poids du corps. Vous avez le ventre qui s'écrase sur les cuisses. De là, vous engagez la jambe droite derrière et vous relâchez le genou dans le sol. Mettez les deux mains du même côté si vous voulez et relâchez bien les mains dans le sol. On étire les fléchisseurs de la hanche. Dans cette première partie, on va oublier un petit peu la partie respiration, mais si tu as l'habitude, tu peux. Dans l'inspiration, tu relâches un peu. Et dans l'expiration, tu descends un peu plus. De là, tu prends appui avec les mains, tu passes vers l'arrière et tu colles à nos fesses. Ce qu'on appelle la posture de l'enfant. Je souffle bien. Dans l'inspiration, si tu veux, tu montes. Et là, tu vas poser carrément bassin, ventre au sol. Regarde bien les épaules. Enroule les épaules vers l'arrière. Visualise tous les muscles du dos. Et là, tu pousses un peu plus. En inspirant, si possible. Ouvre la cage. Et en soufflant, tu reviens vers l'arrière. Projection aux orteils. Regarde comment je décolle. Genou. Je regarde mon nombril. Et je pousse sur les mains. Regardez devant. Engagez la jambe droite. Relâchez le genou gauche. Et on relâche le bassin dans le sol. On est à nouveau sur les fléchisseurs, sur la jambe qui est derrière. J'essaie de descendre les épaules dans le sol. Sauf si tu as pratiqué déjà ce matin, si tu veux partir directement jambe tendue, tu peux. Et je ramène la jambe derrière ici. Je relâche à nouveau la tête. Pliez les cuisses, montez les bras. Poussez sur vos jambes. Et on revient Tadasana. Ferme les yeux un court instant. Visualise bien la posture. Et ça repart. Je rajoute un petit peu plus la respiration. J'inspire. Je souffle, je descends. J'inspire. Je souffle et je relâche le ventre sur les cuisses. Relâche bien la tête. Inspire, jambe gauche. Pose le genou derrière, souffle. Encore une fois, inspire. Relâche bien le bassin, ce mouvement-là. Descends dans le sol. Prends le temps de t'installer. Posture de l'enfant. J'inspire, je souffle. Inspirez, montez. Ventre, soufflez, bassin.
Inspire, serre les omoplates, pousse avec les mains. Visualise que les omoplates serrent derrière et donnent de l'espace ici, entre l'aube de l'oreille et les épaules. Si tu as déjà commencé à travailler ce matin, si tu as pratiqué à 5h, 6h du matin, tu peux décoller les genoux. Et tu reviens. Demi-chien. Donne de l'espace entre l'aube de l'oreille et les épaules. Regarde bien entre tes jambes. Et là, on engage la gauche devant. Bam. Relâche le bassin dans le sol. Inspirez, soufflez, descendez. Inspirez. Soufflez, descendez. Je reviens, ramenez la jambe arrière. Relâche la tête, légèrement pliée. Soulevez le poids de la tête. Pliez les cuisses, activez vos muscles des cuisses. Posture intense et je reviens à Tadasana. Je me centre. Deuxième, on va un petit peu plus loin. J'inspire. Ventre rentré, soufflez. Grandis-toi, bascule bien le bassin, étire bien les bras vers l'arrière. Tu peux regarder tes mains si tu as pas mal le cervical. En soufflant, j'étire l'arrière des cuisses. Ça peut être là. Si vous êtes très raide, vous restez ici, semi-plié, vous étirez un peu plus le dos. Si vous êtes assez souple, ça peut être ici. Inspirez, jambe droite derrière. Ou vous posez le genou, ou vous restez. Descends bien les épaules vers les hanches. Rentrez bien le ventre. Allez, je m'installe une belle planche. Chaturanga. Prenez une grande inspiration. La poitrine arrive en premier en serrant les coudes. On peut poser le ventre ou pas. Inspirez. On peut décoller les genoux ou pas. Sinon, vous auriez pu descendre avec les genoux au sol. Et là, je reviens, chien tête en bas. Pour bien activer le chien tête en bas, vous allez décoller les talons. Poussez un peu plus avec les mains. Regardez le nombril. Donnez de l'espace entre le nombril, entre l'aube de l'oreille et les épaules, pardon. Regardez votre nombril. Et là, vous enfoncez le talon. Demi-chien, jambe droite devant. Vous allez bien inspirer, je ramène la gauche, et là à nouveau, étirement, monte bien les ischions vers l'arrière, descends bien les épaules vers les hanches. Inspire, descend un petit peu plus comparé à tout à l'heure, et je reviens. Tadasana. Ça commence à chauffer, je me centre, ça repart. Inspire, souffle. Inspire, souffle, étirement intense. Inspirez, jambe gauche. Bloque la respiration, planche. Souffle et descend. Inspire, tête en haut. Souffle, tête en bas. Inspirez, jambe gauche devant. Soufflez, étirement intense. Inspirez, montez. Et on revient Tadasana. Je reste un petit moment en Tadasana. Comme tout à l'heure, décollez les orteils, reposez. Comme tout à l'heure, rentrez un petit peu le bassin, étire tes flancs et ramène bien les épaules vers le bas et vers l'arrière. Comme si tu étais en appui sur un mur. Ceux qui veulent activer les bandas, ce qu'on appelle les portes, fermer les portes, moula banda, plancher pelvien, rentre le ventre, uddiyana, et même la gorge, uddiyana banda. On y reste, on y reste. Dernière tournée pour cette salutation au soleil, je me centre. J'exagère un petit peu, j'inspire, je souffle et je descends. Et là, regarde bien mon bassin en inspirant, je bascule le bassin, je serre les fesses
et je vais chercher un petit peu plus loin vers l'arrière, tout en grandissant. Évitez de cambrer, décambrer, serrer et regardez vos mains. Voilà. Et si tu veux, serre bien les muscles du dos en soufflant, c'est le vent qui s'écrase. Tu peux même passer les mains derrière si tu veux, sinon tu restes là ou comme tout à l'heure, tu restes ici. Sinon, un étirement intense comme si on voulait poser la tête au sol. De là, j'inspire, monte la jambe droite vers le ciel et pars loin derrière. Poum! De là, je vais exagérer un petit peu celui-là. Avance les mains un peu plus loin devant, active un peu plus. Voilà, comme vous voyez, au fur et à mesure, on évolue dans l'intensité de la pratique. Et je revire. Ceux qui veulent, cette jambe gauche, je vais la monter pour faire un chien à trois pattes. Sinon, tu fais chien tête en bas normalement. Du chien à trois pattes, on peut descendre directement ou en posant les genoux. Inspirez, décollez les genoux. Maintenant, vous avez vu, je suis en coup de pied derrière si vous voulez. Et là, ce qui est bien, ce qui n'est pas évident à faire, j'ai eu du mal aussi pendant des années, c'est de rouler directement avec les orteils et se réajuster. Fixez bien. Montez la jambe droite. Ramenez cette jambe droite entre les mains. J'ai pris une grande inspiration. Soufflez comme tout à l'heure, étirement intense. Verrouillez bien l'arrière des cuisses. Inspire. Et souffle. Je me sens. Et on redémarre. Je remplis. Je vide. Loin derrière, tire la peau du vent, bascule bien le bassin. Serre les muscles du dos, étire. Inspirez, jambe gauche. Montez la jambe droite en chien à trois pattes. Soufflez, descendez. Inspirez, remontez. Soufflez, ramenez. Inspirez, montez la gauche, ramenez vers l'avant, ramenez la jambe arrière, étirement intense à nouveau, pliez les cuisses, montez les bras, et je reviens, Tadasana. Et je me centre. Adoucissez un petit peu la posture. Fermez les yeux un court instant. Maintenant, vous allez vous mettre pieds joints. Les orteils se touchent, les genoux se touchent, le ventre rentré, sacrum vers le bas, les mains en namasté. Observez la surface des pieds qui s'ancre bien dans le sol. Là, on voit une petite transition avant de commencer les asanas. Ce qu'on appelle, ce qu'on fera beaucoup aujourd'hui dans ce flow que j'ai préparé, où on fera pas mal, on travaillera surtout, comme je vous ai dit, la base, c'est très important, c'est pour ça que je vais rester très très lent aujourd'hui. Allez, ouvrez les yeux si vous avez fermé les yeux. Je descends. Je monte, mais je ne tends pas complètement les jambes. Je descends les omoplates, tac, et là je plie un peu plus les jambes, boum. Je remonte. Je pars vers l'arrière, ou pas, bien le bassin bien vers le bas. J'étire, j'inspire, j'étire le dos. Si vous ne sautez pas, c'est droite-gauche, je vous attends ici, tac, en planche. Je descends, ou avec les genoux. Inspire, tête en haut, soufflez, tête en bas. Décolle les talons, plie les cuisses. Si vous ne sautez pas, c'est droite-gauche, sinon un petit jump. De là, étirement intense, pliez les cuisses, posture intense, et je reviens. C'est ce qu'on appelle, et je me ressens. Faire les vinyasas. Tout à l'heure, donc, je vous dis, vinyasa. Si tu es fatigué, tu as la tête qui tourne,
Tu prends la posture de l'enfant ou pose ce que tu veux, tu marques un temps d'arrêt. Sinon, dans chaque asana, après chaque asana, on fait les vinyasas. On y va, je souffle. Inspire. Descends les omoplates, souffle. Inspire, flexion, arrière ou pas. Tire bien la peau du ventre, bascule bien le bassin. Souffle. Si tu sautes pas, c'est gauche-droite. Tu peux même sauter et amortir directement. Inspire, tête en haut. Et on revient, tête en bas. Décolle les talons, plie les cuisses, regarde devant. Étirement intense. Inspire. Souffle et ramène. Et je me centre encore un instant. Voilà, je vous ai parlé d'une petite cassure. Là, vous allez vous installer assis face à moi. On va faire un petit peu d'étirement pour que le corps soit bien préparé, on va dire, pour les asanas. Allez, je vous invite à vous installer. Allez, ici, vous allez vous installer assis un petit moment. Ramenez la droite et ramenez la gauche vers l'avant. Verticalité de la colonne. J'étire l'inspiration. Là, on souffle. Inspire. Et là, on souffle. Souffle. Inspire, tu comptes jusqu'à 8 à peu près. Et souffle. Tu vas rajouter les bras. Inspire. Tourne un peu les poignets. On repart. Inspire. Prends bien le vent. Souffle. Encore deux fois. Souffle. Une dernière. Souffle. Parfait. Montez que la main droite. Étire bien les flancs sur les côtés. Oh, respiration normale. Enfonce bien la fesse. Et éloigne. Écrase bien avec le bras au sol. Et on change de côté. Monte le bras gauche. Éloigne. Enfonce. Loin, 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 loin. Et là, tu reviens vers l'avant et tu relâches vers l'avant. Essaye de tendre les bras, de relâcher au maximum. Et je reviens milieu. Ne vous trompez pas, là on a mis la droite en premier. Mais juste avant, vous allez rester ici en ouverture de hanche. Vous allez réveiller un peu plus les hanches ici. Vous allez rentrer la droite. Et vous allez rentrer la gauche. Allez-y à votre vitesse. Rentrez le ventre et alternez droite et après gauche. On va bien ton bassin ici. Et on revient. Je m'installe la gauche en premier et je mets la droite. Si jamais ça tire au niveau des genoux, vous pouvez aussi choisir l'option. Ne tirez pas sur un muscle qui fait mal ou une articulation. Je vous laisse vous adapter. Allez, quelques cycles respiratoires. J'inspire, je monte. Comme tout à l'heure, souffle, tourne un peu les poignets. On repart, on fait ça 4 fois. Absorbe le nombril, absorbe le périnée, coince le souffle au niveau de la gorge. Et on descend. Une dernière, inspire. Et on descend.
Parfait. Comme tout à l'heure, je monte la gauche. Je grandis, je repousse avec la main droite. Rentre le ventre, éloigne bien sur les côtés, enfonce la fesse gauche. Et on change. Tour, monte. Et on relâche vers l'avant. Et je redis à milieu, poids du corps vers l'arrière, je décroise, pieds joints. Rentrez bien le ventre, bloquez la main droite et faites-moi une torsion. Et on change. Bloque le bras gauche, fais-moi une torsion. Et la dernière, avant d'attaquer la partie dynamique, décoller le bassin. Faites-moi un squat, ce qu'on appelle le squat. Il y en a qui disent ça asiatique, il y en a qui disent squat indie. Qui fait bien travailler l'ouverture des hanches, ça va bien réveiller les genoux, les chevilles. Si jamais vous avez tendance à décoller, c'est pas grave, c'est déjà un début. Il y a des petits exercices qu'on peut travailler, mais peut-être que ça sera l'objectif dans une prochaine étape. Je pense bien grandir. Et je reviens. Ah, je vais revenir en posant les mains sur les cuisses et en déroule. Voilà. Allez, à partir de maintenant, n'hésitez pas à marquer des pauses. On enchaîne asana et vinyasa. Un petit flow pour bien transpirer, pour bien travailler les cuisses. Et on essaye au maximum de lier le souffle et le mouvement pour que ça reste, comme on dit, un vinyasa bien dynamique. Allez, on va partir pieds joints. Je ramène les mains à la poitrine. J'ai bien inspiré, je souffle et je descends. J'inspire, je monte les bras. Je souffle, je descends un peu plus. Inspirez, flexion arrière. Tirez bien la peau du ventre, basculez bien le bassin. Serrez les muscles du dos, soufflez. Inspirez, regardez devant. Avec saut ou sans saut. Inspire. Souffle et reviens tête en bas. Je reste un petit moment en tête en bas. Décollez les orteils, reposez les orteils. Supprimez l'espace, menton clavicule, regardez le nombril. Fixez bien la jambe gauche, montez la jambe droite, inspirez. En soufflant, ramenez genoux, front. Je remonte. Et je ramène cette jambe droite devant. On y va pour Anjayanasana. Le plus facile, je peux poser le genou derrière. Bien reculer la hanche droite, bien avancer la hanche gauche. Les bras tendus. Ou on reste ici, ou projection gros orteil, activez la jambe arrière. Tirez la peau du ventre, allez chercher vers l'arrière. Voyagez dans la posture. J'inspire. Et la dernière, souffle bien et on part vers l'avant. De là, je vais mettre une torsion. Ou tu gardes le genou posé ou au sol. Ramenez la main gauche et la main droite au niveau du bassin. Cette main gauche, vous pouvez aussi la rapprocher pour bien masser les organes internes ici. Et là, on monte le bras qui est derrière. Et on peut tendre la jambe arrière. On peut aussi tourner le bras dans l'articulation de l'épaule et regarder dans la main. Étirer l'inspi, étirer l'expi. Et je reviens. Pose les mains au sol. Je vous attends, chien tête en bas. Prenez une grande inspiration. Soufflez et descendez, planche ou avec les genoux. Ou pas. Inspire, tête en haut. Et on revient tête en bas. Je reste. Allez, revisite la posture. Descends les côtes basses.
Rentre le ventre, appuie bien avec les mains. Inspirez, montez la jambe gauche. Arrondis le dos, engage les muscles transverses, vise le front. Tu remontes. Tu souffles et tu viens poser en douceur. Si jamais tu as du mal, tu peux poser la jambe arrière et après ramener la jambe. Redressez le buste, reculez la hanche gauche, avancez la hanche droite. Visualisez bassin, bras tendus. Où on est là, où c'est juste la jambe arrière qui tend. Celui-là, elle reste parallèle. Bien reculer la hanche gauche, bien avancer la hanche droite. On y reste. Et on y va. Installez-vous directement avec la torsion. Je suis passé directement avec la jambe tendue. Je rappelle que vous pouvez poser le genou derrière. Mettez le bras dans l'articulation. Tournez et regardez dans la main gauche. Active la jambe arrière, active la jambe avant. Rentre le ventre, dis-toi t'es en train de masser les organes internes. Et je reviens milieu. Ah, chien tête en bas. J'inspire. Décolle les talons. Si vous sautez pas, c'est droite-gauche. Posture intense. Je reste un petit moment dans la posture intense. Sacrum vers le bas. Sentez les biceps au niveau de l'oreille. Vous pouvez aussi regarder dans les mains. Si vous avez tendance à cambrer, vous pouvez légèrement décambrer en absorbant un peu le périnée. On reste encore, 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 ça va brûler. Et on revient. Tadasana. Je reste dynamique. Le ventre rentré. Visualisez les rotules qui montent dans les cuisses parce que je contracte les quadriceps. Visualisez le ventre qui rentre, le sacrum qui descend un peu. On est contre un mur, le souffle va se coincer au niveau de la gorge. Tirez l'inspi et tirez l'expi. Et on se centre. Vinyasa, ceux qui veulent. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Avec saut ou sans saut, ceux qui ont l'habitude, vous savez aussi que vous pouvez passer sur les mains en décollant pouah, et partir jambes tendues. Et on revient tête en bas. Pouah. Une petite ouverture de hanche sur celui-là. Montez la droite, talon-fesse, ouverture de hanche, passez la tête sous l'aisselle gauche, regardez le dessous du pied. De là, je ramène le genou droit à l'extérieur. Ceux qui veulent faire la posture complète, vous le savez, Kundalasana, vous le faites. Je remonte. Et là, je ramène de face. Vérifiez bien que les deux talons sont alignés. Abdos de cercle, bras gauche. Tendez les deux jambes. Celui-là, il part à l'extérieur, celui-là aussi. Et on va s'installer dans le guerrier numéro 2. Les talons sont bien alignés. Ma cuisse est presque parallèle. Comme s'il y avait quelqu'un qui tire là, comme s'il y avait quelqu'un qui me roule la cuisse vers l'arrière. On a une légère vers l'intérieur, à peu près 45 degrés. Je m'installe avec mon bras. Bras bien tendu. J'inspire. Souffle, part vers l'avant. Inspire, guerrier du soleil. Inspire. Le triangle, souffle, tend la jambe avant. Monte la hanche gauche, part, ici, ça descend, ça peut être dedans,
Ça peut être sur, ça peut être derrière. Si vous avez des cales, rend bien le ventre, tourne le regard vers le plafond. Descends. Et là, tu peux tourner le bras dans l'articulation de l'épaule. Et tu regardes dans la main gauche. Inspire, souffle. À nouveau, pliez la cuisse droite. Pose le coude. Ça, il est accessible à tout le monde. C'est aligné. Et tire l'inspire. Comme je t'ai dit, quand tu es dans la posture, tu le revisites, tu visualises microcosme, macrocosme, tout ce qu'il y a dehors, tous les muscles, les articulations, tout ce qu'il y a dedans, les bandas. L'infiniment grand, l'infiniment petit. Si vous voulez un peu plus, on est là. Si vous voulez un peu plus, le bras droit passe en dessous et le bras gauche derrière. Et le regard au plafond. De là, je reviens. Vous pouvez passer par Kundiana Sana, ceux qui veulent. Sinon, on part directement. Donc, ceux qui veulent Kundiana Sana, on est là, à nouveau. Ou sinon, on part directement chien tête en bas. Voilà. Une grande inspiration. Soufflez, descendez. Liez bien le souffle et le mouvement. J'inspire. Souffle revient tête en bas. On reste ici un petit moment. Si vous voulez faire quelques secondes posture de l'enfant, faites-le. Si vous voulez toujours rester tonique, revisitez votre posture du chien tête en bas. Activez vos cuisses, activez les bandas. Si vous êtes dans l'enfant, commencez à revenir. Et on y va, montez la gauche. Talon fesse, ouverture de hanche. Ici, descendez les côtes basses. Talon fesse, passe la tête sous les selles droit. Enfonce le talon derrière. Et je ramène à l'extérieur. Ici. Je remonte. Et je viens poser devant, ou en deux temps, ou directement. En deux temps, je pose là, je pose mon genou, et je viens derrière. J'aligne mes talons. Arc de cercle, les deux jambes sont tendues. Excusez-moi, je suis en nage. Je crois que j'ai... Pardon. Allez, c'est parti, je vous rattrape ici. Les talons sont alignés. Je me repère souvent au bord du tapis. Cuisse bien parallèle. Active la jambe arrière. Il y a quelqu'un qui tire là, il y a quelqu'un qui tire là. Côte basse. Donnez de l'espace, hop de l'oreille. Inspire. Souffle. Guerrier du soleil, inspire. Il y en a aussi, je sais qu'ils aiment bien attraper ici, il n'y a pas de problème. Active les cuisses, souffle. Allez, contre-posture, on va tendre la jambe avant. On va descendre, ça va descendre. La hanche va monter, synchrone vers le bas, les côtes basses. Les deux bras bien alignés. Ici, on tourne le bras dans l'articulation de l'épaule et surtout là. Et là, ça monte. On enrichit, on plie. Ou avec la main au sol, ou avec la main ici. Et la dernière, ceux qui veulent aussi. Je rappelle, on passe bien l'épaule droite derrière, l'épaule gauche en dessous. Je viens attraper le poignet et je le regarde bien vers le plafond. Et dissolution de la posture, Kundalasana ou pas, c'est là que c'est rigolo pour ceux qui ont l'habitude, sinon on reste comme ça, il n'y a pas de problème, on peut même poser le genou, et j'attends tout le monde en chien tête en bas, une grande inspiration, soufflez, descendez, inspire tête en haut, et on revient tête en bas. Si vous ne sautez pas, c'est une jambe après l'autre. Voilà.
J'inspire, j'étire en passant les mains derrière. Pliez, inspirez, soufflez, ramenez. Et je me centre. Allez, dernier petit enchaînement. Ouvrez les yeux si vous avez fermé les yeux. Recentrez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Orteils, bassin, épaules. Je souffle et je descends. J'inspire. Souffle et descends. Vous avez vu, là, j'ai fait des petites amplitudes. Juste l'histoire de garder les vinyasas. Je me concentre surtout sur le souffle. Je rappelle, vous pouvez sauter comme vous pouvez mettre une jambe après l'autre. J'attends tout le monde ici en chadulanga. Inspire. Et on revient tête en bas. Montez la jambe droite. Ramenez cette jambe droite devant. Croisez de façon à étirer les fessiers. Hop là. Ici. Tendez bien la jambe arrière. Donc plus vous allez monter le pied, plus vous allez sentir les fessiers. C'est là, c'est l'avantage d'avoir des cales. On peut mettre les cales en dessous. Sinon, vous pouvez rester en petit. C'est déjà bien aussi. Centrez bien le bassin. J'étire bien. J'essaye de trouver d'abord l'équilibre. Bien le bassin centré. Et après, je grignote le sol. Sur celui-là, je vais juste rajouter la main droite en dessous. Ici. Et relâcher. Si vous voulez vous amuser, j'aime bien aussi faire celui-là. La main droite, elle n'est pas en dessous, mais elle est dessus. Et je viens chercher le gros orteil. Et là, je repars vers l'avant. C'est ce que j'aime au yoga. Les petites postures, les mini-challenges, on essaye de... qui peut être un grand challenge pour certains, on est tous différents. Et on revient. Et la dernière, vous allez engager... Même bras, même jambe, talons-fesses. Je tire vers moi. Vous pouvez faire le pigeon si vous voulez. Ceux qui ne connaissent pas le pigeon, c'est on essaye de bloquer le coude et après on essaye d'attraper. Ou la posture complète, moi j'arrive pas à le faire. Et on libère. Je vous attends, je suis à tête en bas. Wow. Décolle les talons, plie les cuisses, jump. Attrapez vos gros orteils avec pouce index majeur. Boum. Vous formez un collier, vous attrapez gros orteils. Regardez devant, étirez le dos. Soufflez, étirement intense. Quand vous tirez, vous montez les coudes et vous partez vers le bas. Comme si on voulait poser la tête au sol. Pliez les cuisses, inspire, et on ramène. Tadasana. Je me recentre. N'oubliez pas de vous mettre pieds joints. Vinyasa, soufflez. Inspire. Souffle. Étirement intense. Respire. Si vous sautez pas, c'est gauche-droite. Sinon, on peut sauter jambes pliées ou jambes tendues. Si vous êtes tendu, il faut bien passer le poids du corps sur les mains. Inspire. Et souffle. Yes, montez la gauche. Accompagnez, venez croiser avec les différents angles ou l'angle que vous voulez avec cale ou sans cale. Je redresse bien pour bien visualiser le bassin, bien reculer la hanche gauche, bien avancer la hanche droite. Je peux tester ma posture en serrant le milieu du dos. On part vers l'avant. Main gauche en dessous peut-être. On peut aussi activer cette jambe arrière, tu peux projeter les gros orteils, contracter.
Comme ça, ça fera une force de plus pour appuyer cette jambe sur cette cuisse gauche. Ou la deuxième option, le bras gauche derrière, on vient chercher le gros orteil de la jambe gauche. Et on libère. Choix, même bras, même jambe. Main droite, talon-fesse. Colle bien talon-fesse et tire. Et on relâche. Je vous attends tête en bas. Allez, prends le temps de t'installer. J'inspire. Enfonce bien les talons, souffle. Regardez entre les mains, décollez les talons, petit jump. Attrapez les gros orteils. Regardez loin devant. Soufflez, descendez. Inspirez, tirez le dos, posture intense. Et on revient à Tadasana. Je me centre. Ce dernier vinyasa debout, j'aimerais bien faire une petite posture Bakasana pour s'amuser un petit peu. Allez, bougez pas. Alors, ici, tu restes sur la longueur de ton tapis, moi je me mets de face. Ceux qui veulent, ceux qui n'ont pas l'habitude, vous allez faire comme tout à l'heure, là, le squat indi, ou le squat asiatique. Un squat complet, moi j'appelle ça un squat olympique, si je ramène ça au niveau du fitness, ou déchant bien le bassin, ça te permet d'étirer le dos. Ou comme ça, ou on peut pousser avec les mains, on peut aussi décoller les talons, et comme si on allait partir comme un oiseau. Ah, et après, ceux qui veulent un peu plus, on peut mettre les mains et s'amuser à partir vers l'avant. Et quand on part vers l'avant, on peut juste décoller un pied. Et après, l'autre pied. Ceux qui ont l'habitude, ça peut être les deux pieds. Et après, la dernière, ceux qui ont l'habitude, je sais qu'il y en a au club qui le font. Ou si vous n'êtes pas au club, si vous avez l'habitude, prenez le temps de vous installer. Ça peut être les bras tendus. Ça peut être les bras légèrement pliés. Vous avez les... Comment dire, les genoux au niveau des aisselles. Moi, j'ai sauté, sinon vous mettez une jambe après l'autre et je vous attends. Ouah, posture de l'enfant. Voilà, ces dernières minutes avant relaxation, on va poser la respiration, on va tranquillement faire plus des postures où on va calmer au maximum. Une belle verticalité de la colonne, prévoyez de la place derrière, j'inspire, soufflez, arrondissez le dos, absorbe le nombril, supprime l'espace mental. Tu reviens. Là, on est vraiment sur Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Ventre rentré, périnée engagée. Là, j'arrondis pas, mais je pars vers l'arrière. Ça peut être les pieds décollés. Ça peut être les mains tendues. Ça peut rester ici. Ça peut être une jambe tendue. Ça peut être les deux jambes tendues. Gardez les jambes au même niveau. Posez le bas du dos. Aspire. Là, on est vraiment sur les transverses, les jambes bien tendues. Étire aussi la peau des pieds. Regarde bien le plafond. Et je ramène. Gros orteil. Je descends bien les omoplates, plaque bien le bas du dos. De là, vous libérez la jambe gauche, vous gardez que la droite.
Et vous partez en ouverture. Même si la jambe est légèrement pliée, c'est pas grave. Partez en ouverture. Regardez bien du côté gauche. Et je ramène milieu. Je ramène la gauche. Je me recentre. Libérez la droite. Partez avec la jambe gauche en ouverture. Regardez du côté droit. Restez dynamique dans vos deux jambes. Et je reviens. Maintenant, j'attrape les talons. Bas du dos plaqué, menton rentré. Tire bien vers le bas. Visualise bien que les lombaires, les cervicales, tout est plaqué. De là, tu décolles la tête comme si tu voulais regarder ton nombril et appuie encore un peu plus. Et là, si tu veux, tu peux aussi tendre les deux jambes. Active les cuisses et reste. Et je reviens. Ça peut être ici, comme ça. Yeah! Pliez les cuisses. Servez-vous de la vitesse pour basculer. Verticalité de la colonne. On reprend comme tout à l'heure. Navasana, avec le niveau que vous voulez. Mais là, on change. On pose les mains au niveau des fesses. Je pose les pieds. Je sors la poitrine. Je rentre les coudes. Le but, c'est d'ouvrir la cage thoracique. Rentrez bien la peau du ventre et installez-vous le poisson. Faites la posture complète. Il y en a qui veulent. Il y en a, je sais qu'on peut croiser les jambes. On peut libérer les bras. On peut monter les jambes. Le plus important, c'est bien ouvrir la cage. Et on prend appui avec les mains. Et on libère. Ramenez bien genou poitrine. Faites-moi une tension avec un angle de 90 d'un côté. Souffle bien. Et de l'autre. Je vous invite à revenir milieu. Croisez les doigts derrière la tête. Supprimez l'espace menton-clavicule. C'est la force des mains qui tire. Pour étirer le cervical. Rentrez le ventre. Allez chercher un peu plus loin. Je reviens milieu. Tendez une jambe après l'autre dans le sol. Tendez bras droit, posez la tête. Tendez bras gauche. Commence par faire un étirement général. Grandis. Active et ramène les bras le long du corps. C'est pas fini. On fait un petit travail sur contraction, relâchement. J'inspire. Je bloque la respiration, je contracte les mains, les bras, les jambes et le buste. Bloc. Tous les muscles du corps en général et on relâche. On fait ça encore. J'inspire. Décolle, bloque la respiration, contracte. Troisième et dernière, et on restera dans la relaxation. J'inspire. Je contracte. Allez, restez sur le dos. N'hésitez pas à vous couvrir. On y va pour quelques minutes de relaxation. Si vous avez l'habitude, vous faites le retrait de vos cinq sens. Si vous n'avez pas l'habitude, laissez-moi vous guider. En ayant les yeux fermés, vous allez visualiser
la jambe droite. Ça va partir de la cheville, genou, hanche. Continuez à monter, vous allez passer sur l'autre hanche gauche et vous allez descendre, cuisse, genou, cheville. Essayez de calmer au maximum la respiration. Et on fait la même chose avec le bras droit. Pensez à vos poignets, coudes, épaules. Passez par la clavicule, transitionnez sur l'autre partie. Bras, avant-bras, poignet. Visualise les muscles du tronc. Pectoraux, abdominaux. Vous avez tous les petits muscles du dos. Tous les muscles qui font l'érection de la colonne, les lombaires. Ceinture abdominale qui font vraiment le tout avec les lombaires. Le milieu du dos avec les omoplates. On rentre un petit peu plus dans le microcosme à l'intérieur. Visualisez tous vos organes internes, comme le foie, les reins, la rate, le cœur, les poumons. Et Dieu sait qu'il y en a. Tous ces muscles, comme on dit, qui sont des muscles lisses, qui sont tout le temps en permanence, même quand on dort, ils sont au travail. Mettez juste un petit peu d'attention sur ces organes. Pour finir, calmez le souffle encore plus. Relâchez la peau du visage. Et essayez de garder quelques petites minutes, une posture détendue, relâchée, et nourrissez le souffle. Nourrissez pas vos idées, nourrissez le souffle. Gardez les yeux fermés le plus longtemps possible. Si vous êtes chez vous en live ou si vous allez le refaire en replay, vous pouvez rester encore plus longtemps. Ce qui doit être travaillé, vous pouvez commencer à quitter la posture de Shavasana, penser à grandir. Quand vous êtes au sol, ramenez les genoux de poitrine, passez par la droite, prenez appui avec la main gauche et venez vous installer en demi-lotus ou juste à genoux dans une posture confortable. Juste pour mettre fin à ce Vinyasa Yoga, on peut garder les mains à la poitrine, on peut garder les mains sur les genoux. Une dernière fois, je sacralise mon souffle et je vous invite à faire un petit mantra ou juste une pensée positive ou une offrande, juste pour mettre fin, comme on met un point final à un poème, à ce Vinyasa Yoga. Voilà, il me reste moi personnellement à vous remercier.